Bonjour à tous, 8ème partie du Let's Play de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back sur PlayStation. Donc on va continuer tranquillement. On va reprendre le 10ème niveau. Donc on va essayer de se faire la totale, le cristal, le diamant primaire et le diamant secondaire. J'ai un léger problème de vitesse là au niveau de l'illuminateur, je ne sais pas ce qui se passe. On va faire attention à ça aussi. Donc là on a... on se trouve dans un niveau qui est censé se passer dans les égouts. Bon, personnellement, c'est le décor que j'aime le moins dans ce jeu. Ça manque de... Je sais pas, je saurais pas exactement comment décrire ça, mais... Oula, j'y suis passé. Faire attention aussi à ces... Oh là, et la caisse en plus. D'accord. Donc faut vraiment... Il y a vraiment quand leur stand dessus que ça marche peu. Ah, mais je teste des trucs en même temps, là, d'essayer de glisser dessus, j'avais jamais fait... Donc voilà, ici se trouve un passage très bizarre. Alors vous vous dites, bah, y a une caisse et puis après il y a le Dénitro, bon on s'en va, hein, c'est tout. Eh ben en fait non. Vous allez voir. Ça aussi c'est... Faire bien attention au Nitro et puis là... Et hop! Disparu! Voilà, en fait on dépasse à travers, qu'on suffit de continuer d'avancer. Et on a ce petit passage secret. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller tranquillement jusqu'au bout. C'était obligé. Je l'ai senti mal dès que j'ai commencé à sauter. Donc, attention. Pas oublier que les plateformes, si on reste ces plateformes-là, si on reste trop longtemps dessus, elles coulent. Tranquillement. Oula. Et voilà, un petit diamant vert. Et maintenant, je pas... Normalement, je devrais me retaper tout le chemin, mais je vais pas m'embêter. Je meurs exprès. Et c'est réglé. Zut, qu'est-ce que je suis bête. J'avais oublié que ça marchait pas. Ces ennemis-là. Non mais attends, là, c'est quoi ça? Oh. Je recommence, on saute dessus, voilà. Fin du problème. Non. Je dis ça, mais en même temps, il y en a tellement un peu partout. Et hop, ça j'adore les coups de, pour casser les caisses en même temps. C'est pas mal. Là, faut faire juste gaffe. Donc faut pas faire le con, faire une tornade, hein. Il suffit juste de sauter tranquille. Et on y va. Donc comme d'habitude, hein, le diamant vert, c'est bon, il est là. Non, j'ai essayé de... faire le boulet. On y va tranquille. Attention. Putain, j'ai eu de la chance là. J'ai de la chance. Allez, bonus. Et là, on va faire comme ça. Fin de bonus, on continue tranquillement. Voilà, comme d'habitude, faire attention à ces ventilateurs. Voilà, comme ça. On va chercher le petit cristal. Non, reste plus qu'à aller à la fin, sans oublier de caisse, tant qu'à faire.
trouvera mieux. Attention, là, il y a des nitros un peu partout. Oh ouais, bien visé. Par contre, que je fasse gaffe quand même. Voilà, donc là, pas oublier d'aller péter les caisses avant de descendre. Maintenant, on va essayer les pommes quand même. Et on descend. Donc là, nouveau type de phase. Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air de bien marcher, là, on continue. Faire attention à ces trucs-là aussi. Fin de niveau. Et voilà le diamant. Et voilà le travail. Niveau terminé. Maintenant, on va faire le deuxième boss. Cristaux sur 25. Tu es sur la bonne voie. Mais je n'ai plus beaucoup d'énergie. Communiquer risque d'être difficile à partir de maintenant. Encore une fois, sois prudent dans les passages entre les cavernes. Et n'oublie pas que je compte sur toi. Allez, on enchaîne. Direct. Boss numéro 2. Les frères Komodo, avec une musique pas mal non plus. Et en plus il est gentil, il nous file même des masques. Des masques gratuits. Donc là, celui-là c'est facile, voilà. Rien de difficile, il suffit de tourner. En même temps, on reste dans les premiers boss. Hein. C'est que le deuxième. C'est vraiment à la fin, dans les derniers boss, que ça va devenir chaud. Là, toujours pareil, on tourne tranquille. Dernière phase. Attention, ça va être un peu plus dur. Oula. Ouais. Perfect. Je suis même pas fait toucher une fois. Bien vu, Crash. Tu n'as rien à envier au frère Komodo. Mais ce n'est pas le moment de se relâcher. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Ouais, y a quand même quelques petites erreurs de traduction. Hein. En anglais, les Komodo Grovers. Hein, français, ils sont devenus les frères Komodo. Y a pas une petite erreur, là? Enfin, c'est pas grave. Donc j'ai encore le temps, on enchaîne.
Et là, il y a un diamant secondaire qui va fonctionner de la même manière que au troisième niveau. Il faut arriver à la fin le plus vite possible. Enfin, sans mourir, hein, donc je vais pas non plus faire le con. Toujours ces lags, mais voilà. Non, mais c'est pas possible, ça. Je vais essayer, mais je crois que là, le chronomètre, ça va même plus marcher. Et j'ai perdu mes masques à cause de ces conneries, quoi. Non, mais franchement. Déjà que j'ai du mal à jouer correctement, parce que je parle et j'ai pas l'habitude de faire ça en jouant, mais en plus, franchement, si l'illuminateur se met à laguer en même temps, non, on va plus arriver à rien. Ah si, c'est bon, le chrono, il marche toujours. Donc, même méthode, faut arriver à la fin du niveau très vite. Bah allez, dégage-le! Non mais comment c'est bugué, des fois j'accélère tout droit et il part à gauche, quoi. N'importe quoi. Mais attention, on y trop. Oh purée, le bol! Non, bon, je viens de faire la bêtise de déclencher le checkpoint, mais quel con! Donc ça veut dire que si j'arrive à récupérer le diamant, je serai obligé de quitter le niveau parce que je peux plus récupérer toutes les caisses, donc ça sert plus à rien. Et en plus, il reste que 20 secondes, je crois que j'aurai même pas le temps. Parce qu'en plus, je sais que pour arriver. Bon, ça c'était forcé. Et genre, il reste 10 secondes. Ouais, c'est même pas la peine, hein. Là, je viens de foirer, mais à mort. J'ai jamais réussi à passer ça sans me faire toucher. Donc, j'ai fait de la merde, quoi. Bon, allez, on va sauver l'honneur. Je vais prendre le cristal et puis après, ben, on recommencera. Raté. Par contre, là, ça va être chaud parce que je me rends compte que j'ai pas de masque. Ah si, je vais en avoir un. Ah, bah, donc, faut que je me fasse pas prendre par la plante qui est là, ni par ces deux-là. J'ai jamais réussi à l'éviter. Hop. Oh, j'ai jamais réussi à passer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est parce que avec le chrono, faut se dépêcher, mais en fait, faut éliminer le plante avant. Hop. Voilà, maintenant on peut reprendre sa planche tranquille. Alors là, j'essaie de faire attention à pas me faire bouffer. Et hop. C'était vraiment pas loin la fin du niveau. Donc voilà, j'ai mon cristal et puis on recommencera. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc partie suivante, on récupérera les deux diamants de ce niveau 11 et on continuera tranquillement. Et j'espère que mon émulateur il déconnera moins parce que là franchement c'est pas possible. Bon allez, je vous dis ciao et à la prochaine.